Le syndicat des eaux d'Île-de-France, plus grand service public d'eau potable français, assure la production et la distribution pour ses usagers. En 2021, il dessert 135 communes pour plus de 4 millions d'usagers. Il distribue 800 millions de litres d'eau par jour, principalement grâce à ses trois usines de traitement d'eau issues de la Seine, la Marne et l'Oise. 2021 a été marqué par le choix stratégique du futur mode de gestion du SEDIF. Les élus se sont prononcés à près de 90% en faveur du principe de la délégation de services publics. 2021 a aussi vu l'élargissement du bureau avec trois nouvelles vice-présidentes et un nouveau vice-président élu permettant une meilleure représentation du SEDIF et de son territoire. Pour assurer la maintenance et le renouvellement régulier de ses infrastructures, le SEDIF a investi 93 millions d'euros en travaux cette année. La visite d'été a été organisée sur le chantier de Palaiseau, permettant de voir l'avancée du projet d'aménagement du plateau de Saclay. Après 4 ans de travaux, le SEDIF a inauguré la mise en service des réservoirs et de la station de pompage de Bruyères-de-Sèvres dans les Hauts-de-Seine. En 2021, 44 km de canalisation ont été renouvelés par le SEDIF, parfois dans des contextes urbains très denses, nécessitant l'usage de micro-tunneliers, techniques sans tranchées permettant de réduire les nuisances inhérentes au chantier. L'adoption du plan pluriannuel d'investissement par son comité permettra au SEDIF d'intensifier son action au cours des 10 prochaines années, notamment au travers de la mise en œuvre opérationnelle de son projet phare, le déploiement de la technologie de l'osmose inverse basse pression dans ses trois usines principales. Ces innovations permettent au Smart SEDIF de toujours délivrer une eau d'excellente qualité au bénéfice de tous à un prix maîtrisé. Acteur solidaire de proximité, le SEDIF se mobilise pour aider les foyers fragilisés. Il consacre 1% des recettes de vente d'eau, soit 2,5 millions d'euros par an à son programme Eau Solidaire. Les projets primés en 2020 par l'initiative des trophées Eau Solidaire ont été déployés au cours de cette année. Le SEDIF poursuit également son action à l'international et célèbre le 35e anniversaire du programme Solidarité Eau. En 2021, 2 millions d'euros d'aide ont été attribués à 18 opérations dans 11 pays. Le cap des 5 millions de personnes aidées dans le monde a été franchi. Parce qu'il est un acteur performant, engagé et durable au service des collectivités territoriales et des habitants, le SEDIF est constamment à l'écoute de ses usagers. À ce titre, lancée au printemps 2021, l'application mobile Mon eau et moi vient renforcer le dispositif clientèle du SEDIF. Elle a déjà été téléchargée près de 30 000 fois. Innovant, exigeant, solidaire. Grâce à ses valeurs et son engagement durable au service des territoires et des citoyens, le SEDIF est un acteur essentiel pour relever les défis de demain.